qui était deux ouverts seulement, qui a tombé exactement sous expressway. Parce que estimé, président estimé, t'es essayé bâtir une ville, pour Las Carobas, belle ville l'été à l'époque, dominicain au bon côté li, parce que t'es vle, Haïti semble on fatra. Vous faites mieux traverser, on sait de côté qui pas même t'es bon, pour capable ouais que Haïti son fatra. Nous, nous parlons faire deux ports d'ouverture avec Saint-Domingue sous frontière. Comme ça, tout bagage contrôlé. Ok, pas de contrebande qui a venu dans le pays. Ou dit que. Dans le port, nous parlons contrôler le port tout pour pas de contrebande dans le pays. Mais ou dit que le président estime que tu as une belle petite ville Las Carobas, tu es boycotté, le Dominicain boycotté. Mais ça, pour dire même, tu as fait deux super highways, ça, que tu n'as pas boycotté tout. Si tu as boycotté, moi, je ferme toute frontière avec vous. Oh, et mon son dictateur. Comme un dictateur, mais c'est là qu'il y a moins lié. Si nous ne sommes pas capables de chita pour nous faire un accord, parce que faut pays me développer. Okay. D'accord? Côté que pays y est actuellement, il devant c'est nous. Il faut nous rattraper avec eux. Okay. Je suis passé où parce que, rappelons que tout le monde ça c'est petit frère nous que y est. C'est nous qui mettons sous le monde. C'est nous qui baillons. Dominicani indépendance. Oui, mais nous pas qu'à dire nous mettez sous mon encore là. Non, pour le moment, parce que nous t'as marché en rétrogradation, d'accord? Ok. Si nous marché en rétrogradation, qui projet, qui progrès que nous avons fait? Ok. Mon autre question pour vous, ça sont auditrices qui est au Texas et mes questions, hein, bam mettez-le pour vous. Autant de questions. Pour mener la paix en Haïti, nous besoin pour renforcer les lois qui existaient. Renforcer les lois avec force et que nous gagnons en main nous, qui c'est force de police. Et puis ensuite, nous avons intention pour nous créer, comme moi déjà, ouais, une force armée, même pas fin de trois rien, mais c'est ça qui là, nous besoin retester avec ça et améliorer li. Et puis, comme ensuite, nous parlons tout sous ancien président que nous avons gagné, Jean-Bertrand Aristide. Nous avons mis un embargo d'armes militaires sous pays noir. Il faut que nous allions dans les Nations Unies pour demander pour relever ça et puis pour nous avoir une force armée qui est capable de défendre le pays. Hein, et si nous avons une urgence, qui est capable de prendre la rue, mettre la paix sous le monde et force armée, ça, tout, c'est une force armée professionnelle que la pied et avec des ingénieurs qui cap toujours là pour aider pays en leur gain nécessité et puis penser de façon de cette façon telle faut nous aller tout dans le système judiciaire qui gagne corruption là-dedans pour nous retirer corruption dans le système judiciaire là, pour nous faire le système judiciaire là, pour nous remanier là, pour nous faire fonctionner pour capable régir la loi. OK. Et ça sont l'autre question qui sont auditeurs qui dans Santo Domingo et mes questions. C'est un réel plaisir pour moi ça avec nous. Donc, en tant que participant, moi tiens à saluer d'abord l'initiative que le professeur Dorville prend pour mettre sous pied à Thierry Post dans le cadre pour partager des points de vue, des idées, que ce soit économique, politique et social avec toute population haïtienne, non? Ça qui a permettre que yon vision plus claire, yon compréhension plus claire, plus nette de réalité politique en Haïti. Ensuite, moi prends plaisir tout pour me saluer intervenant, qui c'est monsieur Hans Price. Donc c'est un plaisir pour moi dans la discussion autour. Bien avant, il y a une question que m'a posée parce que font débat, moi connais que l'hiver est surtout sur la question nouvelle élection qu'a bien pour fait, plus précisément les élections présidentielles, et que monsieur Hans Price comme potentiel candidat à la présidence, donc moi a bien vraiment quelques questions pour lui. Et bien avant de me poser question ça, moi t'avais fait une petite considération
Et ensuite, après considération ça, yo, ma possibilité pour être capable de faire questionnement. Donc, considération est partie comme ça, surtout après la révolution de 1986, côté que le peuple haïtien a mis fin à un pouvoir dictatorial qui était étalé depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'était un moment extraordinaire pour le peuple haïtien. Ok, mettre fin à un système dictatorial, c'est pas de bagaille facile. Et bien, de cette période-là, soit en mars 1987, Haïti a gagné une nouvelle constitution. Côté que vraiment, nous dit que nous partis vers un système démocratique. Nous avons une constitution et que de nouvelles institutions républicaines pour instaurer, telles que le Parlement, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, pour vraiment qu'on ait une séparation nette, même gens que Montesquieu mandait ça dans l'esprit des lois. Donc pour le peuple haïtien, c'était une nouvelle ère, une ère d'espoir, une ère de solidarité, une ère, je dirais, de mieux-être qui était annoncé. Mais 33 ans après, on a comme l'impression, bon, c'est pas l'impression, c'est un constat, bagaille n'a pas amélioré. Au lieu d'améliorer, il y a une pire. Que ce soit il y a un problème politique, problème social, il y a aggravé, problème économique, il y a même, c'est pas parlé. Par contre, nous connaissons des pouvoirs de transition, beaucoup, et nous faisons des élections pour nous élire plusieurs présidents déjà, et même plusieurs sénateurs et députés pendant la même période de temps. Ça. Mais qui s'en constate, rien n'a pas changé. C'est toujours des beaux discours. Mais au fond, pas gain, en alternative vraiment, qui est là pour prôner changement pour la plus grande population qui est dans la misère depuis, je dirais même, depuis l'indépendance. Mais qu'on est, hein, M. Hans Price, fort de toute considération, ça y est, oubliez pour tes mains, oubliez pour ton contribution. Exactement. Et même, première question que je me pose, c'est d'abord, est-ce que vous sont haïtiens? Ça, c'est très important pour moi. Est-ce que vous sont haïtiens d'origine et que ou pas, j'aime renoncer à la nationalité? Parce que ça, c'est un critère qu'on connaît pour être président de la République. Pour être élu président de la République. D'ailleurs, c'est article 135 Constitution qui fait exigence ça. Et ensuite, est-ce que vous respectez tous les critères ça? Bon, article, même les critères, c'est critère article 135. Ça, c'est la première question que je vous pose. Deuxième question que je voulais poser, qui principale motivation pour vivre président d'Haïti? L'un constaté. Haïti, dans le niveau que l'il est là, c'est pays qui est plus pauvre dans l'hémisphère américain. C'est pays où le problème d'instabilité politique là, il fait rage, contrairement à tout l'autre pays dans la région. C'est pays qui gagne plus de problèmes de pauvreté, plus de problèmes de salubrité, etc., etc. Mais malgré tout, vous voulez vivre président pays ça. Mais qui principale est motivation? Ça, c'est la deuxième question. Et puis, troisième question. Qui j'en comptais aborder discours, hein? Comment compter concevoir discours là, que auprès de la population pour arriver convaincu lorsque la population sa vu maturité que yo gagné yo bon avec expérience yo presque pas quoi un leader encore. OK, connait là discours qu'a gagné pour bailo, hein? C'est qui j'en pral formuler, quels sont ses piliers? Ok, qui pilier discours ça? 1, 2, 3, qui s'allie. Et puis en tout dernier lieu, ma PC et mon doutou, est-ce que ou gon bagay nouveau, ou ka vin dire nous-mêmes en tant qu'haïtien, moi-même personnellement, comme mon intellectuel avisé, ou ka vin dire nous qui peut être nouveau et que nous pas jamais tendé, ou bien peut-être nous t'étendé, mais ou vin dire non l'autre sens qui pour convaincre nous davantage, afin que pour t'apporter nous-mêmes dans un niveau élection pour nous
pour ta choisir comme monde pour nous représenter la nation ça. OK. Très bien. Pour première catégorie de questions que m'a bien pour si pour nous avancer encore. Je souhaite que le professeur Patrice Dorville, la femme qu'on est, et puis m'a venu à une autre catégorie de questions. Merci. Très, très belle question. Et avant de répondre à la question, on a rappelé aux auditoires que l'émission sur radiotambou.com, nous gagnons, nous connectons avec tout Haïti qui est en New York, nous connectons avec Radio Haïti Riposte qui est en République Dominicaine, et le chef de Haïti Riposte, c'est le professeur Patrice Dorville. Qui est connecté avec l'émission ça pour nous qui diffuse en République Dominicaine. Et Nabdil, encore une fois, merci. Et me rappelle que vous songez question, candidat Anspire, pour répondre à la question que l'auditeur se pose. Et ça n'a pas fait tout. Il y a pile de questions, mais toutes questions qui sont longues, je ne prends pas. Parce que il dure près de 6 minutes, presque 7 minutes pour y arriver à poser aux questions. Depuis que question par 30 secondes, je ne vais pas poser. Okay? Parce que faut nous avancer. On allait. Merci mon frère pour très très belle question. M'a salué professeur Atou personnellement et moi connais que l'a fait un bon travail dans la communauté haïtienne qui est en République Dominicaine et en même temps tout en Haïti. Et moi félicite lui de travail lui, de œuvre que l'a fait et très bientôt faut que nous font rencontre et avec professeur et équipe li tout dans Dominicaine dans République Dominicaine. Et pour rassurer vous, mon frère, je n'ai jamais renoncé à ma nationalité. Je suis haïtien, je demeure haïtien, je mourrai haïtien. Et jamais de la vie que m'pa gen nécessité, nulle nécessité pour moi renoncer avec nationalité. Et c'est passeport haïtien que m'gagne et à cause de passeport noir. Et des fois, m'envie font petit voyage, c'est visa mal payé pour me prendre libre, ça pas problème pour moi. Parce que ma nationalité est très chère, ça coûte beaucoup pour moi. Et deuxième question que vous avez posée, c'est qui ça qui motive pour me capable président d'Haïti? Son question que Toussaint Louverture, et Dessalines et Pétion et autres te répondent pour moi déjà. C'est créer une nation qui respectait à travers le monde. M'a rappelé Pétion te finamé et amblié non comment était le deuxième, c'est pas premier non, deuxième libérateur de Bolivar. Pétion fin armé Bolivar. Et puis il a marché bon Jacmel. Il était Jacmel, il a au cas où bien Jacmel me rappelle de place. Hein. Et puis Bolivar dit Pétion, qui sont vle mba ou le nou final libérer Amérique du Sud. Pétion te dit lui, mon frère, libérer esclave, c'est ça seulement besoin dans mon, pas besoin l'homme, pas besoin diamant, pas besoin l'argent. Nous te prend tout Pétion te prend ressources nous. Bali, voye soldats nous, leur gade Colombie, leur gade Venezuela, tout moun noir sa ou ko wel en pays sa, c'est descendant haïtien ki yo. OK? Nous pa konnen sa, mais en pile moun pa konnen sa, mais on gade drapeau yo an ki gen bleu et rouge là-dedans là, mon frère, c'est pour Haïti que yo gen. Même moun nan pays an pa konnen sa, mais moi-même moi konnen sa. Alors, ki gloire ki gen pour yon moun ta gen opportunité président pays tant qu'ou Haïti qui non situation déplorable comme ou te so décrit ban moi là qui fait honte pour ap décrit pays de telle façon et c'est la réalité m'oblige à accepter qui moun mon frère qui t'a prend pays ça mettel sous yon étalage kounyan pour tout moun ap garder pays ça. Qui moun ki pa ta renmen fè ça? Bon, c'est ça qui motivation. Pour me prendre pays, pour me faire tourner un chef-d'œuvre. Pour tout moun ap gade pour en ville. Et m'a garanti yon bagay, nous pas besoin tourisme en Haïti pour nous faire kob. Nous pas besoin bagay ça. Rappelons au côté nous sorti. Rappelons que Haïti c'était côté qui était pi produit nan nouveau monde là.
que blancs européens ou pas de connaît ou t'es le nouveau monde. C'était Haïti qui te produit plus. Imaginons que Haïti coûtait plus l'argent pour te, pour Jean-Pierre Bois était payé à Napoléon pour être capable respecter l'indépendance. Donc que États-Unis t'est payé pour te posséder le territoire Louisiana. Imaginons ça seulement. Ça, ça veut dire Haïti, son pays qui pas gagné prix, mon frère. Et quel que soit le monde qui capable de changer la situation, ça, c'est lui-même, ok, qui a bien gloire sous tête ça. Alors moi-même, ma envie, mon ça qui t'a fait, nous t'a laissé moins pour faire. C'est motivation ça qui voulait me faire. Qui discours que m'a gagné qui différent, mon cher, moins différent de tout le monde que vous habitué ouais déjà qui dans politique, dans scène politique haïtienne. C'est tout à fait normal que discours différent. Ça moi objection objectif moi pour pays moi pas même avec moun sa yo. Oui, mais est-ce que ou pas dit qui discours différent, qui discours t'a capoté différent, ou pas vle dit là discours qui a poté différent yo mon frère. Faut qu'il accompagne avec réalité. OK. Faut qu'il capable dans réalité. OK. OK. Mais qui ça ou t'a dit de différent lui-même pour différent discours qui parle gain dans discours que pas jamais tendez yo. C'est que ou pas l'ouai ou pas l'attendre yon moun qui pral montre ou pas A plus B comment job pral créer dans le pays. Ou pas l'attendre yon moun qui pral montre ou pas A plus B comment route pral fait dans le pays. Ou pas l'ouai yon moun qui pral montre ou pas A plus B comment aéroport pral bâti dans le pays. Comment on sait de l'activité pral fait dans le pays qui pral remonter le pays. C'est ça qui pral différent discours là. Ok, mais ce discours yo bay déjà. Ok, et n'a pas continué candidat Hans Price, mais nous t'arrêtons. Docteur de Vezin, une motion, s'il vous plaît. Vous dites yo bay discours ça déjà. Oui, nous tendez yo déjà. Mais d'accord, ou tendez yo déjà, oui. Mais qui ça pour te vite? Non, alors moi même, Wall Pam, c'est pas ça me vin faire là. Wall Pam, c'est auditoire là, t'as posé question. Alors moi même, moi tendez yo. Ou pas, ou sous tendez yo. Oui. Yo pas fait. Bon. OK, en fait, ou même c'est la que, différence que ou pral faire. C'est ça me besoin entendre. C'est ça me besoin entendre. OK. Et nous gain l'autre question et grande question là moi que 2 minutes 27 2 minutes 27 secondes, m'pa poser question, m'pa voyer question ça. Gain on qui 22 secondes, m'pa voyer li et c'est bref la réponse yo rapide parce que émission son émission une heure de temps. Mais li quand en 7h25 m'pap ka fè mes émissions parce que son émission qui a caractère purement politique son candidat nous oblige à faire au moins une tribu et m'a prolongé pour l'autre 30 minutes encore parce que faut répondre question auditoire là moi même émission est pas pour moi m'a faire c'est pour auditoire là la fête c'est pour nous plaire bon pour une question ça. Bonjour à tous, j'écoute Haïti riposte du côté de la France. J'aimerais savoir quand les politiciens vont donner une chance à ce peuple qui souffre et qui ne mérite pas d'être maltraité ainsi. Actuellement, on constate le chaos total. Est-ce que vous pensez que le leader Chai peut affronter les problèmes d'Haïti? Merci à tout le monde et bonne audition à tous. Très belle question. Et oui, et payant souffrir à cause de manque de direction dans le pays. Ok, alors m'a fait ça brièvement. En février au campé, peuple en campé, il dit président que bon travail nous besoin faire pour le faire. Président dit oui, m'bra le faire. Et puis il dérespecte volonté peuple là. Jusqu'à journée aujourd'hui, on pas ta remet que président rachement au calé parce que président rachement au calé, hein, c'est qui ça cap venir encore. Jou après à comment le peut sembler et nous ouais que chaos qui existait dans le pays an, à l'heure actuelle et pas gain aucun leadership dans le pays an, parce que président pas qu'à camper pour parler avec peuple an, parce que les violer règles qui plus important dans communication c'est l'ordre ou pas le fond bagaille pour faire li. Ça c'est premier règlement que le violer il pas qu'un bémol à peuple an, il perd du confiance peuple an. En ce moment, actuellement, oui, moi d'accord pour l'aller, mais c'est qui est-ce qui peut venir après? Okay. C'est consortium ça qui pour fait d'abord
avant que nous disons pour président aller. Parce que moi-même, ça m'ouè là, yo n'y pas capable de responsable pays. Ça. Ok. Et vous pensez que si le problème ça continue toujours, j'en m'ouè là, puis là, pas de l'élection en et pour 2022, vous avez monté. Si le problème ça a continué, non seulement on va gagner l'élection pour 2022, mais il semble son bagage que nous avons tombé en bas même une occupation de une puissance qui toujours a cherché ça. Et je suis capable de garantir que soit si une investigation qui fait dans le futur, il y a besoin de même on ça là-dedans. OK, OK, n'a posé pour une question et n'a continué à question, mes questions ça. Bonsoir. Moi je voulais saluer Haïti Repost pour bon travail ça que l'a fait hein. Parce que c'est pas c'est son travail côté que pas gagne un peu le monde qu'a fait donc là je ne monde qu'a fait il fait bien faut qu'on complimenter et m'a salué candidat tout qui fait candidat Price question pas dans les simples candidats. Les simples, moi t'as mais qu'on est qui politique, qui stratégie plus précisément ou à mettre en place pour recadrer politique haïtienne parce que politique nous là ça s'écraser et nous instable quelque temps dans le pays là et de gouvernement en gouvernement nous passer là toujours nous toujours gagnons instabilité politique toujours gagnons un problème avec gouvernement yo. Parce que toujours il y a même problème mieux que toujours présenté tout bien entendu toujours la vie chère parents pas capable petit de l'école et toute bagaille chère donc toujours il y a problème insécurité donc question par moi c'est ça en un mot qui ça qui stratégie que vous voulez mettre en place le sur ta président pour ta recadrer politique nous pour mettre une stabilité là-dedans pour living une base pour nous pas toujours dans chier pizza pour nous pas toujours dans type de problème ça que n'a confronté maintenant en 2019 là donc c'est des questions pas dans sa candidat tout simplement et moi pas une autre question merci okay, beaucoup m'a salué Haïti Repost m'a salué tout candidat merci auditeur ça c'est directement de Haïti mais pas oublier que m'a rappelé auditoire là encore et que Haïti Repost est connecté avec Radio Tambour et Haïti Repost et gon paquet moun tap tande le tout il tande émission pour tout moun nan sou Radio Tambour chaque dimanche qui passait de 6h à 7h PM que auditoire sa yo directement yo tande et Haïti Repost so c'est ça qui fait que ou tande question yo comme ça et yo même yo poser question yo voye au bon moment là et me transmettre question yo Baou, candidat Hans Price. Alors que répondre question était bref parce que faut nous finir mission en tout on continue on aller. Et félicitations et pour entre ou même avec entre relation avec Haïti Repost, c'est pas un bagage qui facile fait dans la communauté haïtienne là côté que pour nous mettre tête nous ensemble pour nous pour un seul objectif. Et félicitations à vous deux. Et pour auditeur là qui fait crier hein et monsieur bien content question là moi même question là et m'a répondu lui sincèrement problème qui fait nous dans situation que nous y est là son question d'honnêteté nous pas gain honnêteté dans pays on pas gain franchise on politicien en venir il pas il te prend et campagne lien l'elle t'a fait lui il te prend lui juste pour investissement on li vini c'est pour faire cobli et ça vinn fait li pa vinn voye bien net peuple là li pa voye bien net moun que le représenter non plus alors c'est premier problème pour nous attaquer dans pays hein. Ça m'a metté un peu tout sous et peuple parce que peuple supposé apprendre nou bagay qui clé ou bon pouvoir dans mon un pouvoir sacré pas grand pile côté qui gagne monde gagne pouvoir ça pouvoir de voter son pouvoir sacré que lié ou pas capable quitter n'importe qui monde vini bafou et puis pour aller voter pour lui ou bien bon cob pour aller voter pour lui ça c'est ça que fait n'a prend mode candidat ça yo à partir du moment que nous changer système ça
li pral vin fè politik yon profesyon. Politik yon profesyon, ceci veut dire le politisyen bay moli, mol ap respecte. Alors, se exemple sa ke nou vle trase nan peyi an. Pou nou vini, pou nou bay monou, epi le 5 an arrive nou bat de nou nale, pou tout moun kapab di, monsye sa yo te fè, sa yo te di yo tap vin fè. Alors, la loi suppose respecte nan peyi an. Et d'ailleurs, on moun ki ale en tant que un candidat ale nan on élection paye pour ta moun al voter pour lui ta supposé dans prison. OK, et gon l'autre question qui monte, bon mettez question hein. Et bonsoir compatriotes, merci à l'émission Riposte pour l'opportunité de me permettre de poser quelques questions au candidat et qui sera avec toi aujourd'hui. La première question candidat serait, dans l'état actuel du pays, comment vous allez aborder les problèmes de l'alimentation, les problèmes de santé et des soins et les assurances accessibles pour tous? Et comment allez-vous aborder l'éducation pour tous, la sécurité, les infrastructures massives pour le désenclavage de nos principales artères? Et comment allez-vous, n'est-ce pas, aborder les nouvelles débouchés de travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour justement apaiser la grogne sociale? Et je remercie encore l'émission Riposte pour cette opportunité qui m'est donnée d'entendre le candidat et en présence. Merci. Merci mon frère, et très bonne question, très très belle question, et ça vle fè mwè que nous gagnons yon auditoire qui a pensé à pays. Toute question ça ou que m'a recevoir. Et mwè à cause de concern nous mwè que bon travail qui pou fait. Bon, et comment nous va l'adresser problème éducation? M'te dit ça auparavant. Nous pas quitter l'école faite par n'importe qui mon encore. Nous pas mettre responsabilité l'école là dans main l'état local là. Ça veut dire magistrat qui pas responsable l'école dans commune. Vous comprenez? C'est et puis nous pas faire des constructions de nouvelles écoles et puis n'a mettre des demandes. Nous pas imposer secteur privé en gain l'école. Non, nous pas là pour ça. Mais cependant nous pas faire des demandes, nous pas faire des normes pour nous rencontrer d'abord. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple on l'école a bâti pour tout le monde, faut capable bâti tout le monde en éducation sportive. Si vous pas capable faire ça, ou pas là-dedans. Faut capable gagner une bibliothèque pour tout le monde à faire recherche. Si vous pas capable, il pas là. Faut capable gagner une série de salles de théâtre. Faut capable gagner une série de activités pour capable faire, pour capable. Parce que éducation c'est pas seulement chita li et pas ça seulement li dans toute phase pour développement physique moun nan et mental. Et puis ensuite en plus de ça nous pral mettre des demandes sous nous songer nous gon proverbe Haïti qui relé sac vide pas campé. Sac vide pas campé ça veut dire si moun nan l'école grand goût li pas capable li pas apprendre rien. L'école là n'a bien des demandes pour gagne cafétéria dans l'école là pour ti moun yo gagne blè pour y aller manger. Même jon wè dans pays étranger en tout bagaille yo a fait là, c'est comme ça nous pral faire à Haïti parce que nous voyager nous wè pas rien qui impossible sous terre pour faire. Pas ça fait le moun dit oh haïtien bagaille ça ou pas bon. Non, moi-même moi toujours campé me dit non. Si nous pas traiter haïtien en tant que humain, c'est pigou gros erreur que n'a fait nous pas appartenir pour nous gon pays. Et puis ensuite et construction de routes, de voies terrestres et pral créer job et puis nous pral mettre pour agriculture, nous pral faire agriculture là industrielle et comme on te dit individuel auparavant parce que nous pral gagner des compagnies qui pral venir dans pays hein, capable faire agriculture, élevage sur le plan industriel. Et ensuite, pas comme moi qu'on est haïtien, comment nous y est,
n'a toujours kembe coutume nous, n'a toujours gen tite nous pour nous capable faire ti jardin nous. Ti jardin ça capable ba nous manger et si nous voulons vendre tout, la vendre. Nous pral gagner juste avant gen moun k'ap pose question. O comment manger ou pral faire distribuer dans pays an? Pas fatigué nous de ça, nous gen l'anmè. L'anmè. Manger capable sorti et go naïve là n'importe côté dans pays en sous la mer n'a pas utiliser la mer et on voilier n'a pas utiliser n'a pas acheté bateau mettez là toute bagaille net pour industrialiser dans pays en pour capable augmenter production nationale nous et on croit que ça a très bon tout pour secteur privé hein, parce que là nous garder secteur privé hein, son secteur qui aussi et anémique même genre avec économie parce que si on t'a produit nous pas t'a fait seulement 8 milliards de dollars comme production nationale comprenez ça c'est un change côté que nous même qui dans qui diaspora participer à économie à 50% GDP grosse des productions domestiques paysan nous même qui a chier qui a fait vieux travail dans pays étranger qui pas même gain 5 c'est si malheureux nous il a prédit nous font nous mettez moitié économie les nouveaux étiquettes nous à la Haïti alors son bagage qui triste son histoire qui triste nous obligé améliorer les nous obligé République Dominicaine dans 100 combien millions de dollars et production nationale nous même nous à 8 milliards et ouais ou 10 millions c'est pas millions c'est milliards oui. C'est l'an milliard oui. OK. Et chers amis auditeurs, auditrices de RadioTambour.com, et n'a suivre émission pour tout le monde présentée par Dr. Wessler de Vezin. Invité spécial nous aujourd'hui, c'est M. Hans Price. Et m'a rappelé nous que émission pour tout le monde qui passait et sur Radio Tambour chaque dimanche, nous t'es connecté avec Radio Tout Haïti qui est en New York et nous connecté avec Radio Haïti Riposte qui en République Dominicaine. Et le chef de Haïti Riposte, c'est le professeur Patrice Dorville. Et nous pas prendre question encore, m'a rappelé nous son émission 1 heure de temps lié, mais à cause jodi an que nous recevoir un candidat à la présidence dans l'émission, nous obligé prolonger l'émission pour 1 heure de temps et demi. Et nous excusez-nous auprès de auditoire là parce que nous pas prendre question encore, nous penser on l'autre fois encore. Les et candidats passés dans l'émission encore, n'a fait peut-être 2 heures de temps et le ça et n'a posé toute qualité question, toute question que n'a posé yo et n'a fait tout effort non pour noter qu'à prendre en pile question qui était saut tombé sous et Haïti Riposte qui était voyé question yo ba nous et nous-mêmes nous transmettre question avec candidat m'a dit encore toutefois avec tout staff Haïti Riposte Radio Riposte m'a dit merci. Et m'a dit et tout staff radio en tout Haïti merci tout qui connecté avec nous tout et m'a dit staff radio Tambouan et spécialement Didier Easy avec PDG radio en merci pour jodi ça que nous tout te mettait tête ensemble pour émission ça te cap passer Jean le passé moi même job pam c'était même jour on rôle modérateur jodi en tellement les émissions m'était vraiment quitter candidat répondre question. Et j'aime te commencer le tout pour te introduire tête li avec nous parler nous un peu de politique générale li et puis pour te répondre quelques questions que auditoire là t'es participé dans émission si là encore une fois m'a dit nous merci et moi-même et nous révèle un moment qui pit triste dans émission hein, mais moment que me pas ta remet et camper émission mais bel moment tout ces moments que me pour demander le candidat à la présidence monsieur Hans Price le mot de la fin. Merci docteur de Vezin et m'a remercier tout auditoire là qui t'a tendé moi tout monde qui t'a gain chance participer poser des questions intelligentes et m'espérer que réponse m'était baillon hein, t'est satisfait yo et à la mesure du possible et puis ensuite moi va remercier et auditoire qui tendé de ADRN tout en Haïti m'a remercier yo et songer que candidat nous Hans Price a travaille pour nous capable gon nouvelle Haïti. Bon, et alors c'est vraiment triste et désolé tout que n'a séparé
n'a pas séparé. Mais avant que nous séparer, nous connaissons que dans la vie, il faut nous toujours dire adieu. Moment arrivé pour nous dire adieu, mais n'a pas encore, n'a pas parlé encore. C'est ton plaisir, comme on t'a dit auparavant, pour nous être capable tant de questions nous concernent nous et adresser concernent nous ensemble avec nous. Haïti, qui ça ça veut dire pour nous? Haïti c'était côté nous tout te prend naissance. Haïti, nous t'a remis pour Haïti capable normal même genre tout l'autre pays. Nous t'a remis que moun ki a vivre à l'étranger en tant qu'haïtien qui diaspora. T'a remis al nan pays ou pas son petit temps famille ou zanmi ou, mais des fois nous pas ka fèl à cause de insécurité gouvernement pam la la fait tout ça qui possible le nous établi gouvernement pour capable gen sécurité dans pays. Si pas gen sécurité pas gen rien k'ap marcher. Éducation mes amis, nous pas capable, nous pas jamb capable fin parler de éducation parce que c'est ti moun ça aujourd'hui hein qui pral demain prend la relève les nous fermer les genoux n'aller faut n'aller. C'est comme ça la vie hein, c'est cycle ça ou vin ou fait ou grandit et puis jour arrivé pour fermer les genoux pour aller. Mais pendant que je ouvert hein, c'est soit fait soit quitter, c'est ça qui compte. Alors m'a prié nous en grâce. M'a prié nous en grâce pour nous capables quitter un plus bon pays que nous te joindre. Pour petit petit nous cap venir, petit nous cap venir. Ensuite de ça. Enfermeture, m'a dit nous que c'est nous toutes qui responsable Haïti. Problème Haïti là, c'est nous toutes qui responsable. Parce que nous c'est haïtiens. Si nous pas prend charge pour nous retirer pays en un problème, nous pas jamb gain pays. Souhaiter que nous connaît qui ça n'a fait pour nous supporter candidat qui de valeur, parce que campagne pas pour commencer, mais quand campagne vraiment commencer, nous va ouais, c'est le ça nous va ouais qui monde qui t'a parlé sérieux et qui monde qui t'a joué. Nous même nous pas vinn pour nous jouer, n'a fait bagage sérieux. Mais nous besoin peuple en tout pour supporter nous. Nous besoin support financier, nous besoin support moral, nous besoin toute qualité support. Et puis apprendre ça tout politique, c'est pas bail l'argent qui comptait. C'est support là qui comptait. Le grand bagage qui pour faire pour volontaire pour faire, c'est ça qui comptait. M'a demandé tout le monde qui attendait aujourd'hui hein, pour essayer ou pas obligé suivre campagne Enterprise pour faire volontaire. Des œuvres volontaires ou capable faire pour n'importe candidat qui plaît. OK, participer dans politique, prend ça au sérieux. Si pas prendre au sérieux, pas gagner qu'à réaliser, parce que tout ça qui fait dans vie c'est de politique. M'a saluer nous toutes, que nous passer une bonne soirée et bonne fin de semaine. Moi remè nous tant que docteur Vezin pas carré tant pour le dire nous. Et oui, chers amis auditeurs, auditrices de radiotambour.com, nous t'app suivre émission pour tout le monde présentée par docteur Wesler de Vezin. Invité spécial nous aujourd'hui, hein, c'est monsieur Hans Price qui est candidat à la présidence d'Haïti pour 2022. Encore une fois, nous tout t'attendé et tout ça qui nous était porté dans Jacoutli. Et nous connaissons plus de bagailles dans Jacoute de Boulda, dis-nous toujours, mais tant fait nos défauts, faut que nous allions. Comme vous avez toujours dit, nous, émission sont émission 1 heure de temps qui passe sous Radio Tambour chaque dimanche de 6h PM à 7h PM et nous brancher avec Radio Haïti Riposte qui connecte avec nous en République Dominicaine et puis nous gagnons Radio Tout Haïti qui connecte avec nous en plus. Et de ce fait, nous arrivons un moment pour nous dire nous au revoir. Moment ça, nous-mêmes n'a jugé pour compte nous et qui ça nous pensait de candidat. Et c'est pas jouet pas moi-même pour me faire jugement pas me souli. Nous-mêmes, c'est peut-être ça que me paraît avec l'émission pour nous te ka tendre li et puis nous-mêmes n'a jugé pour compte pas nous. Ça nous pensait de candidat monsieur Hans Price. Encore une fois, me dit nous merci pour écoute nous et me pensais que et dimanche prochain si Dieu veut nous gon belle émission mais pas et on candidat à plein émission hein. Mais bien
on l'autre monde t'ap vini l'émission dimanche prochain t'ap vini parler de on livre li que li écrit et parce que n'ap édifié de émission ça tout et n'a pas prendre en pile et c'est ça nous porter chaque dimanche l'émission ça son émission qui purement à caractère éducatif que chaque dimanche gon sujet différent qui débat la donné et m'ta souhaiter que tout monde tribababo qui t'ap tande émission ça jodi an moi crois que nous édifier de candidat nous poser le question m'te ba nous le soin tout pour nous poser le question et moi-même le m'ap kite émission an et pour me faire mes li nous connais mot que m'remet di an parce que m'connais que j'en remet nous an et comme ça que nous remet émission tout et m'ap parler et me dit nous à dimanche prochain je vous aime à bientôt au revoir.